on a terminé l'isolation du plafond de la cuisine. Du coup, ça y est, en termes de plafond d'isolation, c'est bon. On n'aura plus que ce dernier mur-là à isoler. Sinon, là, dans la cuisine, c'est fait aussi. Donc c'est trop cool, ça avance. Et du coup, bah là, comme on a fait un test hier soir pour plaquer, et bah voilà, c'est le programme du jour. On va continuer et on va essayer de finir ça cet après-midi. Donc c'est parti pour le plaquage du plafond de la cuisine. Ça y est, on est ravis de vous annoncer que le plafond est entièrement plaqué. C'est trop cool. Ça change vraiment la pièce parce que pour le coup, de voir les tuiles encore, ça faisait vraiment chantier. Donc là, ça fait vraiment ça avance. C'est trop beau. Donc avec la poutre qui du coup est semi-apparente. Pour vous montrer ce qu'on a fait ensuite, on a raillé du coup le dernier mur qui nous restait. Donc ce mur-là qui va jusqu'au salon, puisque dans le salon c'est fait. On a aussi quasi tout isolé ce mur-là, il nous reste juste au-dessus des fenêtres parce qu'il nous manquait des appuis qu'on aille acheter. Bref, sinon la grosse majorité est isolée et du coup bah, ensuite une fois que là ce sera fini d'isoler, et ben, on aura fini l'isolation et le raillage et ça c'est beau, ça fait du bien parce que ça commence à être un peu long. Et ensuite bah, il ne reste plus qu'à plaquer, on va avancer. La salle de bain est prête à carreler, donc je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais c'est prêt à carreler. Là Erwan s'occupe du ragréage dans la chambre parce qu'il y avait moitié sol et moitié tomette. Donc il faut qu'on lisse pour pouvoir poser le parquet. Et puis voilà, let's go! Tu fais quoi, Owen? Je mets le primaire d'accrochage. Le primaire d'accrochage pour le ragage. Pour que ça accroche. Ouais, et du coup on est obligé de faire un ragréage parce que là-bas les tomates il y a des petits trous, c'est pas très droit, d'autant plus qu'il y a la moitié de la chambre où ça a déjà été fait, vous voyez cette partie-là. Donc bah, pour rééquilibrer le niveau avant de poser le parquet, il faut qu'on fasse aussi ici. Voilà. Un grand moment. Dernière vis comme ça qui sont hyper chiantes à mettre. Ceci signe la fin du raillage. Oui. Bientôt la fin du placo. Début du ponçage. Et oui, quand c'est la fin de quelque chose, c'est le début d'autre chose. Parce que au niveau du placo, il nous reste ce mur-là du fond
du bureau que c'était pas prévu à la base qu'on le refasse, mais en fait il nous restait de la laine et il nous restait des rails et tout, donc on s'est dit bah pourquoi pas, au moins ce sera 100% isolé cette pièce. Donc il nous reste le mur là-bas, une plaque ici, le contour là de la des vitrées, et ensuite dans le salon il nous reste les contours de fenêtres, donc contour de cette fenêtre-ci et pareil contour de celle-ci. Et sinon dans tout le reste de la maison tout est plaqué, tout est fait, les contours des fenêtres et tout, donc on est trop contents. Pour vous annoncer que ça y est, on a fini le placo. Et ça, c'est trop trop bien, c'est une super grosse étape de fête. On est trop contents parce que là, ça faisait un moment qu'on était dessus, mine de rien. Je vais vous faire un petit tour, mais ça y est, tous les murs sont faits. Comme vous avez pu le voir, on a également mis en place la cloison de la verrière pour délimiter l'entrée et la cuisine. Ça rend trop trop bien, donc je vous montre tout ça. Donc du coup, au niveau de l'entrée, on arrivera directement sur la verrière qui donne de l'autre côté la cuisine. Ce côté-là, on fera un placard mural de la largeur là qui nous reste derrière la porte, ici pour ranger les vêtements, chaussures. Je pense qu'on mettra un petit banc ensuite devant la verrière. Et ensuite, eh bien, on arrive sur la pièce, la cuisine livrée qui est toujours là, qui n'est pas montée, donc qui prend pas mal de place. Et donc du coup, la cuisine qui, au niveau taille, franchement, ça va être trop bien. Enfin, on est trop content du rendu. Chambre, salle de bain, vous aviez déjà vu ça, on avait déjà bien avancé. Les contours des fenêtres sont faits, on a gardé la niche, ce contour de la fenêtre est fait, il est en train de finir de sécher. On a également refait la descente d'escalier ici, parce qu'il y avait un peu de tout ici, donc là on a replaqué, comme ça au moins ce sera tout nickel. On aura la porte à galandage ici, qu'on a retirée pour finir de plaquer, pour ensuite pouvoir faire les joints. Et le bureau qui est terminé. À la base, on avait prévu de faire que le mur extérieur, comme on vous l'avait dit, mais finalement, donc on a fait celui-là parce qu'il n'était pas droit. Donc on s'est dit, autant bien l'isoler, parce que là, du coup, on donne sur le garage, donc ce ne sera pas chauffé ici. En plus de ça, cette pièce-là, on aura un ou deux radiateurs électriques, parce que bah, tout le reste de la maison sera chauffé avec le poêle. Mais comme là, c'est une pièce qui est un petit peu à part, qui est en demi-étage, bah, on va quand même mettre un petit chauffage d'appoint. Donc voilà, prochaine étape, ça va être les joints. Comme vous avez pu le voir, on a commencé dans la cuisine et je vous mettrai les vidéos juste après. Et donc du coup, eh bien, cette semaine, on va continuer et essayer d'avancer le max pour que, eh bien, pour qu'on puisse après attaquer la peinture et le parquet. Et ça, ce sera beau. On est vraiment super contents parce que le placo, l'isolation, les rails ont commencé à en avoir un petit peu marre. Et donc ça y est, c'est fait. Donc on est trop contents. Et eh bien, maintenant, on passe du coup aux joints. C'est parti. Voilà à quoi sert Lisa. Non, mais là on est en train de faire les angles de la verrière. C'est pas hyper simple, c'est un peu pénible, mais bon. Ouais. Faut s'offrir pour les belles choses, n'est-ce pas?
bien, ça y est, on est ravis de vous annoncer qu'on a terminé la première passe des joints de toute la maison. On est trop contents, ça fait trop du bien. Ces deux semaines là de vacances ont été assez intenses parce que du coup on était en vacances, mais pas vacances reposantes. Mais c'est super cool, on a carrément bien avancé. Voilà, donc là on va partir nous pour une semaine de vacances au repos et ensuite je pense que semaine de reprise ce sera aussi semaine de pause puisque ce sera la rentrée. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment une grosse vidéo, il y a eu pas mal d'avancées, mais c'était le récap de ces dernières semaines qui ont été super intenses. On espère que ça vous aura plu et du coup on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la suite des aventures. Salut !